Je remercie toutes les écoles, danse, arts martiaux, l'estan, marche nazi. Je souhaite un message de notre part, un Tibétain, pour Universal Peace Club, pour la génération à venir. Qu'est-ce que souhaiterez-vous, s'il vous plaît, pour notre planète? Chide, tachi délec, nemo tout ce meva, sama deji yongagi, maran tachon yé chon, malam jagus. Deneda, samje tamje dewa dam, dewe judan dam, juji. Samje tamje dumal dam, dumal jiju dam, dor juji. Samje tamje dumal mibe dewa dam, modam mibe dor juji. Samje tamje de degi ju chadan yering dam, tangu chimbo la yering de nebar juji, sende malam jagus. Pamala tachi délec. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Le Club Universel de la Paix, bienvenue au club d'ailleurs. Et merci d'avoir signé. Et d'après ce que je puis entendre, vous avez fait vraiment un beau message. Merci. Et je vous dis personnellement que le prochain message, donc ce message sera mis dans le passeport, le prochain passeport qui va être édité. Super, ça, je vous le promets. Merci beaucoup. Parce que vous le méritez bien. Voilà. Alors, s'il vous plaît, je vous demande juste un petit mot. Qu'est-ce que souhaitez? Voilà, nous sommes ici au salon Palais Expo, dont vous êtes le directeur. Des Automnales. Des Automnales, voilà. Cette manifestation, voilà. Voilà, oui. Exactement. Et, vous pouvez vous exprimer parce que vous avez plus la possibilité que moi-même. Alors, librement, qu'est-ce que vous en pensez de la paix aujourd'hui et qu'est-ce qu'on éventuellement pourront faire par la suite, en fait, voilà. Pour la paix. Voilà. Oui. Vous vous adressez aux personnes, d'accord, au monde, aux enfants, voilà, au futur. Comme je l'ai écrit
la paix est à construire tous les jours. Nous devons, nous, une génération, aider justement les nouvelles générations, les jeunes, à construire ce monde de paix, à leur donner l'espoir. Parce que ça, c'est essentiel. Et comme je vous disais tout à l'heure, je crois beaucoup en l'éducation et qu'il faut aider tous les pays qui ont besoin d'argent ou autre chose, de ressources humaines pour former les jeunes, pour les éduquer, donc pour les écoles, voilà. Et ça, c'est très important. Je pense que plus le monde sera éduqué, mieux finalement on aura des chances d'arriver dans un monde de paix, sans guerre, sans conflit. Mais c'est un long travail qui demande des efforts constants, quotidiens. Mais voilà, chacun doit le faire avec sa conscience. Sa conscience et ses moyens, mais il faut garder l'espoir d'y arriver. Voilà. C'est bien parlé, parce qu'en fait, c'est notre objectif de réunir, voilà. D'essayer de faire participer à cette aventure. C'est ça. Toutes les ethnies qui existent sur notre planète. C'est ça. Et notre but, c'est de respecter tout être vivant. Voilà. Donc, c'est notre, je pense que c'est tout à fait ce que vous avez écrit. Monsieur le directeur, merci. Si vous voulez dire encore un mot, ça va. Vous avez déjà un souvenir. Voilà, je crois que. Je vous remercie vraiment. Au nom du Club Universel de la Paix, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci. Et puis à bientôt. On se revoit l'année prochaine. Et puis là. Donc à nos différences. Alors si vous pouvez acheter les livres, je sais qu'ils ne sont pas chers. Et Claudio, si j'arrête, admettons, il y a 300 livres qui partent maintenant, tu peux tous les signer ?
C'est tout basé sur l'explosivité du mouvement. D'accord ? Ça, c'est le souvenir pour Jesse. On est OK ? On a assez ? Ça va ? OK. C'est ça la paix. Merci à tout le monde. Merci. Ce qui représente ici, c'est Pax, la paix, la résistance humaine, le yin et le yang, l'équilibre, et ceci, c'est l'égalité, la pensée et le bien-être pour les autres. Car il faut dire, très peu d'hommes peuvent faire ce que lui l'a fait avec sa fondation, parce que c'est quand même avoir la patience. Il faut donner de son cœur. Et ça, je voulais, c'est minime, c'est pas de l'argent. Mais c'est quelque chose qui te doit rester à toi, qui te a donné cette force que tu as eue et que tu as encore.
je dirais, voilà, un champion pour la paix, car il ne faut pas oublier qu'il était un ex-champion de Nunchuck. Donc, elle était pas, c'était quand même un grand monsieur. Alors, Claudio, je te remercie, tu vas dire un mot, mais tout d'abord, je veux dire que M. Claudio Alessi, il sera le parrain des messagers de la paix, autrement dit, des ambassadeurs de la paix, à partir d'aujourd'hui. Donc, il s'est passé quelque chose dans cette salle, qu'un jour, vous allez vous en souvenir, et vous verrez que d'ici quelques années, il y aura énormément de monde à notre cause. Alors, je vous en prie, un instant, Claudio. Merci beaucoup, Fortunato. Je suis honoré, hein, vraiment, parce que la paix, c'est très important. On doit tous œuvrer pour, même si, malheureusement, on n'arrive pas à avoir des bonnes réalisations à ce niveau-là. C'est des problèmes politiques. Mais on va tout faire, en tout cas nous, dans notre microcosme, pour être déjà en paix avec notre entourage, notre famille et nous-mêmes, et ceux qui nous entourent. Merci pour ta démarche. Je me rappelle de ce livre, quand on avait eu rendez-vous avec sa sainteté le Dalai Lama, et qu'il avait signé ce livre. C'était un très beau souvenir, puisque je m'occupais de sa sécurité, on était tous là. Et bravo pour ta démarche, et je te souhaite de continuer et d'avoir encore plein d'ambassadeurs de la paix. Bravo. Journalier, merci Patrick. Et on le retrouvera l'année prochaine dans un cadre nippon. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être restés parmi nous jusqu'au bout. Là, je sais que la fin des automnales approche dans quelques minutes. Et j'invite bien sûr tous les exposants à prendre le verre de la clôture ici derrière au jardin des automnales. C'est dans quelques instants. On va applaudir bien fort. Le directeur général de Palexpo, M. Claude Mambré, et le directeur des automnales, Monsieur Bernard Chiot, merci messieurs. Voilà mesdames et messieurs, entourés de Claude Mambré et de Monsieur Chiot, je voulais juste vous dire que tout cela a été possible grâce à des hommes tels que Monsieur Claudio Alessi, qui a su magnifiquement animer l'art du mouvement, et puis grâce à vous qui avez répondu présent à cette très très belle manifestation. Alors aujourd'hui, on vous prend simplement rendez-vous pour l'année prochaine, en novembre, pour de nouvelles automnales avec le même succès, si ce n'est plus que pour cette édition-là. Merci encore à vous tous, merci encore à Claudio Alessi pour tout ce qu'il fait, et puis bonne route à vous et bonne fête de fin d'année. Thank you. Livre d'or, messager de la paix du troisième millénaire et un témoignage des personnes de bonne volonté, de tous milieux politiques, religieuses, laïques, de toutes les diversités qui composent l'humanité pour une communauté universelle de la paix.